Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la situation en Afrique. Au cours de cette situation-là, je parle de la situation de crise dans laquelle nous sommes depuis les indépendances. Et au cours de cette situation-là, j'ai bien pu remarquer trois types d'Africains. Surtout en ces derniers moments avec les réseaux sociaux, on arrive à bien voir les gens. Et je les ai nommés en premier lieu le beau parleur panafricaniste, en deuxième lieu l'intellectuel et en troisième position le passif ou tout simplement l'inconscient, quoi. Donc je vous laisse avec eux et on se retrouve à la fin de la vidéo, ok? À tout à l'heure. Lui, c'est le beau parleur. Il aime s'habiller en tissu africain. Il aime porter les produits africains. Il est contre l'Europe. Il ne supporte pas le fait d'entendre parler de religions exportées. Mais il n'agit pas. Il ne pose aucune action concrète. On le traite souvent même de raciste. Il n'a jamais mis pied en Afrique, ou du moins, il en sait très peu, seulement à travers les livres. Lui, c'est l'intellectuel. Il s'habille de tout type de manière, souvent avec des tissus africains. Il est pour l'ouverture à l'Europe. Il est la plupart du temps engagé dans le développement de l'Afrique en ayant des entreprises ou autres activités. Il est très ouvert d'esprit et connaît les valeurs africaines. Il sait faire le pont avec les cultures exportées. Lui, c'est le passif ou l'inconscient. Il s'habille de tout type de manière également comme le précédent. Quand les deux autres parlent de développement de l'Afrique, il n'y croit pas, il est très pessimiste, il ne s'y intéresse pas et pense à manger et à survivre. Il s'occupe uniquement de sa famille et le reste, c'est l'État qui le gère. Sérieux, les deux gars, l'intellectuel et l'inconscient, vraiment leurs sont attribués même. Ils ne savent rien de l'Afrique. Ce sont des gens qui se sont dévendus. Ce sont ceux qui trouvent que la colonisation était une bonne chose, un bon fait pour nous. Qui lisent les livres panafricanistes pour mieux comprendre les choses. Ils ne savent pas que la Chine, eux, se sont développés grâce à leur religion. La Chine, l'Inde, ils ont gardé leur religion. Tout le monde a gardé sa religion, sauf nous. Nous, on n'a pas gardé nos religions. Maintenant, on est déraciné. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas nos cultures. On ne s'habille pas. On n'est pas fiers de nous. Il faudrait qu'on soit fiers de nous, qu'on se montre tel que nous sommes. Eux, ils veulent qu'on fasse d'autres choses. Il faut vraiment s'enraciner parce que tout part du mental. Le mental est la chose la plus importante. Les deux, même, je les mets tous dans le même panier. Si on veut les écouter, on n'ira nulle part. Maintenant, précisément concernant l'intellectuel, lui, il parle, il dit les investissements, c'est vrai, mais avant de faire les investissements, là, on doit devoir bien s'ancrer dans notre culture. Là, au moins, on saura que oui, on part quelque part. Sinon, on part nulle part, là. Moi, je suis fatiguée. Bon, moi, mais concernant, on va dire que je suis à cheval entre les deux types, hein, entre le panafricaniste et l'inconscient. Je préfère dire le passif, quoi. Bon, le panafricaniste, lui, c'est quelqu'un qui est la plupart du temps, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Il veut juste qu'on dise, oui, l'Afrique, nous sommes des Africains. Il qu'on fasse les protestes, qu'on anime, enflamme les réseaux sociaux, qu'on parle de l'Égypte ancienne, qu'on parle de des trucs, oui, de l'histoire. Moi, je sais que c'est bien de connaître votre histoire. Je connais l'histoire de mon pays, je suis cultivée. Et je sais très bien que, oui, on doit connaître notre histoire, mais arrivé un moment, le fait qu'on connaisse notre histoire, c'est bien, mais qu'on mette la main à la pâte aussi. Je ne suis pas du tout de son avis, le fait d'être extrémiste, de connaître l'histoire et de ne pas du tout agir, d'être là seulement à ne rien faire et à parler. Ça, je n'aime pas du tout chez lui. Et l'inconscient, je préfère l'appeler passif, comme je l'ai dit, parce que quand on va lui attribuer ce titre de passif-là, du moins d'inconscient, là, il va être embrouillé et maintenant, il va pas bien faire les choses. Donc, c'est mieux de lui donner le nom de passif. Ok, le passif, il ne sait toujours pas encore. Il sait pas, parce qu'il n'a pas encore rencontré une situation qui lui a fait mal. Il pense que la vie dans sa petite maison, ça va. Vu qu'il arrive à se nourrir et à gérer sa famille, c'est le plus important pour lui. Mais j'espère qu'il croisera, rencontrera une situation qui va lui faire un choc. Et là, il saura que oui, c'est pas du jeu, l'Afrique, là, on doit se mettre au travail. J'espère vraiment qu'il deviendra optimiste. Voilà mon avis sur ces deux personnes.
Sérieux, les deux autres gars là, c'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils passent trop, qu'ils parlent de l'Afrique, etc. Moi, je dois chercher un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je ne pense rien de même. Je m'en fous d'eux. Ils gèrent le problème. Comme je le dis, ils ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent là, tu vas penser à quoi, à l'Afrique, à quoi, quoi, quoi. Tu vas commencer à crier. Faut penser à tes problèmes d'abord avant de voir c'est quel problème que l'Afrique a. Quelle Afrique même. Oh, pardonnez. Voilà les amis, avec les types d'Africains que j'ai bien pu rencontrer, bien pu remarquer dans ces derniers temps-là. N'hésitez pas à me dire dans quelle case vous vous trouvez, où vous vous trouvez avec un peu de tout, des autres, ou bien vous êtes carrément le panafricaniste, beau parleur, ou bien l'intellectuel, ou bien l'inconscient, le passif. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que je fasse d'autres interviews avec ces trois personnes-là, dites-le moi, proposez-moi des questions que je peux leur poser et on va essayer de voir. Tout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, mais avant tout, je te demanderai de liker la vidéo si ça t'a plu. Si t'aimes bien le concept, n'hésite pas à me le dire. Tu likes la vidéo, ok? Et partage-la avec tes amis pour leur permettre aussi de voir dans quelle case ils sont. Tu n'hésites pas à les taguer aussi, ok? Oui? Allez, ciao.